Ia mai tei tātou te arawhanote atua I tō tātou whararida ai tēnei PPMP, tātou tmō mero o Tāporan Hill te whenua, tmō mero api o te maitihi e te nuna. E tia no te nuna eritu I te Tāporan Hill te tātou, whari mei te tapa ono te arawha. Tēnā atu te nuna ai tēmei te pēpēi, mō papa ewea tātou pa atu o te ami mai. Ia mai tei tātou eritu I te roan au tēnei man. La séance est reprise. Mesdames et messieurs, bonjour. Avant de débuter nos travaux, je souhaite la bienvenue aux nouveaux représentants qui siègent dans notre hémicycle. Et nous continuons avec le point 3 de notre ordre du jour. C'est-à-dire, Monsieur Jean-Christophe Wissou. Monsieur le Président, bonjour. Madame la Ministre, bonjour. Mesdames et messieurs, les représentants, chers collègues, mesdames et messieurs les journalistes, chers amis. Monsieur le Président, je voudrais juste faire noter un point de notre règlement et demander au groupe UDSP de clarifier aujourd'hui la position de sa composition, sachant qu'on ne peut appartenir à deux groupes en même temps. Nous savons tous que vous avez constitué un nouveau groupe UDSP, mais en même temps, nous pensons savoir que des représentants du Tahura Hulatira, est-ce que c'est le cas des représentants de l'UPLD, n'ont pas démissionné de leur ancien groupe, c'est-à-dire du groupe Tahura Hulatira, qu'ils ont constitué au moment où nous avons tenu la séance d'élection du président de l'Assemblée. L'article 70, et donc c'est un rappel au règlement, prévoit dans son dernier alinéa que nul représentant ne peut appartenir à plus d'un groupe. Ma question est celle-ci. Est-ce que vous avez signé votre lettre de démission du Tahura Hulatira pour ensuite adhérer au groupe UDSP? Parce que si ce n'est pas le cas, vous êtes en contravention avec l'application du règlement intérieur et votre groupe UDSP est nul et non avenu. Voilà, c'est une question que je pose au président du groupe UDSP. Merci. Merci, M. Jean-Christophe Wissou. M. Jacques Hidrolet, vous avez la parole. Maruru a été prétiténi, et il y en a pas où a été faré à été gêné peu peu. Voyamment, votre a été gêné à l'Irlande, et où a eu pour moi été raté et raté touré, où a faulté mato, il était aimé à Tarima et mato, et tout mato qui a raté été pour appui UDSP, et il tape au far, il traite faro, et ramato, il traite tout mon poupou taïto. Norira, et puis il y a eu maï, va mero, il tarima, il te tarima, il va tout à vos poupou UDSP, teiman a été man. Maruru, prétité. Merci, Maruru, Jean-Claude Rollet, monsieur Jean-Christophe Michaud, vous avez la parole. Maruru est prétenu. Tēnā o nea maruru te pretini no te popo UDSP no te iepahonur a tāna. Trara, ai tōne hare o tuj hohonur a o te pahonura. No te tarimar a e chukue prau no te tumor tuj chukue popo, mea papu mai tei e wa tarima poru o tau. Te uira a te ieie. Wa tarima anei o tau, tō te pā UPLD, orera tō te pā tahoera huiratira, tau tau prau, no te faruer a I tā utomo pupu teito meit mea te ria, en hea nei o matou, a et momero irtu I tā porar hei, en he e teio, meit mea en hea ni I tomau feiaru hei pā a te aporar hei, e whātā mei o tui tomatou rima, te I e prau tarimar a tā utou, e farue o tui tā utou pupu teito, wat mei irtu I tā matou hi or a, te I e whāturer a irawa hitu ohuru, o tātātou papature irutu I tāpurar hei, e te whahepu nei, aita ho e meru irutu I tāpurar hei, enen he, I tarima I chukue prou, no te tumor a irutu I te epiti pupuanei, orada e toru pupuanei, tito hia, ia maiti I te meru apurar hei, ti puputane e tumo irutu. Orera, te I e prou tā auto I tarima piti ohuru maiva o tau, te vene irutu I te I e prou, te whaue nei o tau I tā auto mō pupu teito, anenhea nei mātou e teio. E te irata tā auto I tarima, I hapapu mei te ita tātou whanohon anō te ipepeu, mei te mea ita tātou e whātura nei I te emo whātura ir a, wa whiwhi e ngei prou,
no te amur ait auto pupui despe. Maruru, Jacques Hidrolé. Maruru ete perititeni. Te hapapune yau. E piti ahuru e mai va mero no te yenei fare aporarhe o te tarima. Ito rato man of au, rote te yenei pupu o te merihi a te ua, UDSP. Te vahi api no te yenei pupui, o Julia tahuhu atama, te mono perititeni o taua pupu. Te hapapune yau, ua tarima, na mero e piti ahuru e mai va, ito rato te ara i rote te yenei pupu api. Aite taho e rahui da atira vahou, aite pupu UPLD vahou. Tenera, tenera. O te whaiter ai ai a Jokisto Bisu I tō mātou man o tae. Me te pēu e, te rira te whanhoa rā tāna hina arora, te anire o ia o e whaateime tātou I te teime, hara tātou e whaaforo I te rere uhupa, I o te heume tātou I rawit uhupa, nā rote te hau. Te ti ei nei te tātai a tātou I rawit uhupa. Aita te runa hina arora I a tito tito vahou a tātou I oitumo I rawa ture. Te ti ei nei te tātai, te ienei maiti rata tātou I te ienei pēpēu, I te mea wahoro aro atu tātou. I roto I rātou I te teimo monopriti tenira, te teimo tomite roto, te teimo moishi ano te rau e rai e te huba, wha ea pā tātou I te tito noa I te mō irawa. No te apapura rā e no te whari ir aitra man o tā Jean-Christophe Bisou, te anine iau nani e te o te tapura amui, ia whaateime tātou e pēminiti. Wha aforo atua I te mō aivan a I te pē o te ture, Hei mei ei tātou e rei te whiapora, rei mei te peti e iau. Trāt peri te tini te teanira. Maruru, te anido e tātou tō e whātai mera e pēmeriti, non te whāti te eforo I te tāpuro hepa. Te tūra te mana, Naria, a séance est suspendue pour 5 minutes. Maruru. La séance est reprise. Pour trouver une solution à ce problème de pacotille, Madame Armelle Merceron atteste que le groupe Tahuera Huiratria, constitué le 21 février 2008, a été dissous le 25 février 2008. Et la présente attestation est délivrée pour servir valence de droit. Signée Madame Armelle Merceron. Je sous-signé M. Jacques Hidrolé atteste que le groupe Union pour la démocratie UPLD, constitué le 21 février 2008, a été dissous le 25 février 2008. Et c'est pareil, c'est une attestation délivrée pour servir de valeur sous peu de droit, signé M. Jacques Hidrolé. Est-ce que c'est une solution à ce problème? Oui, M. Jean-Christophe Bisou. Merci, M. Le Président. Je voudrais que M. le Président et M. le Président du groupe UDSP comprennent que ce n'est pas une intervention pour rechercher à voulant empêcher le fonctionnement et le déroulement de notre séance aujourd'hui. Nous aurions pu ne rien dire, d'accord, et envoyer, comme on le faisait d'habitude, le débat devant une juridiction. Notre souhait, c'est de jouer la transparence et que les choses soient claires. Lorsque, par exemple, vous attestez que l'association ou le groupe est dissous, ça veut donc dire que vous avez dissous l'association UPLD, qui récupère les crédits de l'Assemblée pour notamment le fonctionnement du groupe. Ce qui veut donc dire que vous avez tenu une association, le bureau de l'association, pour dissoudre l'association UPLD, et c'est aussi le cas du Tahuera Huiratria. Vous avez tenu une assemblée générale pour dissoudre l'association Tahuera Huiratria en vue d'adhérer au nouveau groupe UDSP qui a un statut d'association, notamment pour recevoir les financements de l'Assemblée. Est-ce que c'est de cette manière-là qu'il faut comprendre les deux attestations qui viennent d'être lues, Monsieur le Président? Madame Armelle Masseron, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Bonjour à Mesdames et Messieurs les représentants. Je voudrais préciser simplement que j'avais été choisie pour être présidente du groupe Tahuera Huiratria, auquel avaient adhéré les 9 autres membres élus sur les listes Tahuera Huiratira. Mais de fait, comme le 25 février, mes collègues ont adhéré à un autre groupe,
eh bien, le groupe Tahuir Ahuir Atira n'existe plus. C'est implicite, c'est une conséquence, puisque je me retrouve toute seule à pouvoir adhérer et qu'il faut être au moins 6. Voilà, donc de fait, il faut constater que le groupe n'existe plus. Et quant à la vie de l'association, je pense que c'est un élément complémentaire et qui n'est pas directement lié, je pense, à l'élection dans les commissions. Mais il faudra bien effectivement statuer sur le devenir de cette association. Voilà ce que je voulais préciser. Monsieur Jacques Hidrolet, vous avez la parole. Maroru et Perititeni, Wopahonohia te wira, Tetiaturine, Hamata tatuit, Numeratoru, Tatato, Tapurohipaite, Teme, Notepro, Note, Fanhora, et Fatere, Arotit, Tapura, UDSP, Yavaihome, Jean-Christophe Bissou, Tamato, Hupa Yarawe, Eretiket, Hupanana, Hupanamatu. Vahira tatenuna eti eira, afea tatu hamata ita tatu uhipa, te numera toru ya tamate ya nine ya oe, ya ma iti tatu. Maruru. Monsieur Jean, petit taf, bisou. Maruru mai te preteni, wa pahono hiya mai, ite wira tamato, merko mai ya armel merceron, mea papu mai te ite imhana, aite popu tahoir anwira tira vahau, aite popu UPLD, e wa tomo te tātua rao te ipite huru maiva, e orto i te pupu api, UDSP. Maruru mai te. Nous continuons donc avec le point 3 de notre ordre du jour. Je demande au secrétaire général de donner lecture des dispositions relatives à l'élection des membres de la commission permanente. Monsieur le Président, l'article 127, alinéa 1 et 2 du statut prévoit que l'Assemblée de la Polynésie française élit chaque année en son sein la commission permanente à la représentation proportionnelle des groupes selon le système de la plus forte moyenne. La commission permanente élit son président, son vice-président et son secrétaire. Ce vote est personnel. L'article 47 du règlement intérieur relatif à la formation de la commission permanente précise que la commission permanente est composée de 21 membres. Ces derniers sont désignés par les groupes constitués qui disposent chacun d'un nombre de sièges proportionnel à leur importance numérique rapportée au nombre de représentants appartenant au groupe considéré. Les sièges non pourvus après cette répartition sont attribués selon les règles de la plus forte moyenne. Et si les plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrage, le siège est attribué au plus âgé. Toutefois, si un groupe constitué ne désigne pas de candidat, les sièges qu'il a vocation à pourvoir sont répartis entre les autres groupes constitués proportionnellement à leur importance numérique rapportée au nombre total des représentants appartenant à la formation de la commission permanente. La liste de noms ainsi établie est soumise à l'Assemblée qui se prononce par un vote à main levée, sauf si elle en décide autrement par application des articles 43 et 44 du présent règlement intérieur. La majorité absolue des membres présents représentés est requise au premier tour de scrutin. En cas de deuxième tour, la majorité relative des membres présents représentés suffit. Dès sa formation ou son renouvellement, la commission permanente élit son président, son vice-président et son secrétaire. La présidence de la commission permanente ne peut être cumulée avec celle de l'Assemblée ni celle d'une commission législative. Voilà, Monsieur le Président. Merci, Madame la secrétaire générale. Selon la règle de la représentation proportionnelle, la répartition des sièges entre les groupes est la suivante. 10 sièges reviennent au groupe Totato Aya, 11 au groupe Intergroupe Union pour le développement, la stabilité et la paix UDSP. Je suspends donc la séance pour permettre la constitution de la liste des candidats en fonction de membres de la commission permanente. La séance est suspendue. La séance est reprise. Je demande au secrétaire général de donner lecture de la liste établie pour la formation de la commission permanente de notre Assemblée. Monsieur le Président, nous avons les candidats suivants pour la commission permanente. Monsieur Yip Michel, Monsieur Matawa Mayron, Madame Mati Juliana, Madame Bob Dupont-Tamara, Monsieur Mamato Yahutapu Victor, Madame Opa Afo Anik, Monsieur Térémathée Ruben, Madame Iriti Teura, Madame Haïti Pascal, Madame Galnon Minari, Monsieur Temeharo René, Monsieur Tongson Gaston, Monsieur Tefarere Hiroiti, Monsieur Bissou Jean-Christophe, Monsieur Chil Philippe, Monsieur Alpha Théari, Monsieur Teripa Yamita, Monsieur Tonso Robert, Madame Lévi Agami Sandra, Madame Sage Maina, enfin Madame Benodon Béatrice. Voilà, Monsieur le Président. Merci, Madame la secrétaire générale. Nous passons donc
au vote. Et celui-ci se fait à main levée, comme le prévoit l'article 47 du règlement intérieur, sauf si l'Assemblée en décide autrement. Monsieur Jacques Hydrolet. Je propose de respecter nos règles et que l'on vote à main levée, Monsieur le Président. Qui est pour ? C'est donc à l'unanimité. Marourou. Et donc la liste obtient 57 voix pour. Et en conséquence, sont élus membres de la Commission permanente de l'Assemblée de la Polynésie française, M. Yip Michel, M. Matawa Myron, Mme Mati Juliana, Mme Bob Dupont-Tamara, M. Mamatouei Heitapu Victor, Mme Oupa Afo Anik, M. Terimate Ruben, Mme Iriti Teura, Mme Haïti Pascal, Mme Galnon Minari, M. Temaro René, M. Tangsang Gaston, M. Tefade Hirohiti, M. Wissous Jean-Christophe, M. Chil Philippe, M. Alpha Thierry, M. Terry Paya Mita, M. Tonso Robert, Mme Lévi Agami Sandra, Mme Sage Maina, Mme Vernondon Béatrice. La séance est suspendue pour permettre aux membres de la Commission permanente de procéder à l'élection du président, du vice-président et du secrétaire. J'invite les membres de la commission permanente à se rendre dans la salle des commissions. La séance est reprise. Je donne lecture de la composition de la commission permanente de notre assemblée. Élu président, M. Michel Yip. Vice-président Matawa Myron. Secrétaire Madame Mati Juliana. Membre Madame Bob Dupont Tamara. Monsieur Mamatoua Victor. Mamatoua Yaitapu Victor. Madame Opa Afo Anik. Monsieur Terimate Ruben. Madame Iriti Teura. Madame Haïti Pascal. Madame Galnon Minari, M. Temeharo René, M. Tongsang Gaston, M. Tefarede Hirohiti, M. Buissou Jean-Christophe, M. Chil Philippe, M. Alpha Thierry, M. Teripaya Mita, M. Tanso Robert, Madame Lévi Agami Sandra, Madame Sage Maina, Madame Vernondon Béatrice. Nous poursuivons notre ordre du jour et je demande au secrétaire général de donner lecture des dispositions relatives à l'élection des commissions législatives de l'Assemblée. Monsieur le Président, l'article 52 du règlement intérieur prévoit que, au cours de la session de plein droit pendant laquelle elle a procédé à l'élection du bureau, l'Assemblée élit en son sein 9 commissions législatives composées chacune de 9 membres. Lorsque cette élection n'a pu avoir lieu pendant la période considérée, elle pourrait être effectuée au cours d'une session extraordinaire. Chaque représentant doit être membre d'au moins une commission législative. Pour chaque commission législative, l'Assemblée se prononce sur une liste comprenant le nom du président, du vice-président et du secrétaire, ainsi que le nom de 6 autres membres. La liste résulte d'un accord entre les groupes politiques. Dans l'hypothèse où il n'y aurait pas d'accord, l'Assemblée fixe elle-même à la majorité absolue des membres présents ou représentés la composition de chaque liste en respectant autant que possible la représentation politique de l'Assemblée. L'Assemblée se prononce sur chaque liste par pour ou contre, selon les modalités définies par les articles 41 à 44 du présent règlement intérieur. Voilà, Monsieur le Président, on va vous distribuer là les listes. La séance est reprise et nous allons procéder à l'élection commission par commission. Première commission, commission des finances. Je demande au secrétaire général de donner lecture de la liste établie pour la commission des finances. Monsieur le Président, nous avons reçu les candidatures pour la commission des finances. Présidente, Madame Sabrina Birk. Vice-présidente, Madame Françoise Tama. Secrétaire, Madame Teura Iriti. Membre, Madame Tarita Saint-Joux. Monsieur Myron Matawa.
M. Jean-Christophe Buissou, M. Hirohito Tefarede, M. Robert Tanso et M. Théari Alpha. Nous allons passer au vote à main levée. Qui est pour M. Jean-Christophe Buissou, vous avez la parole. Merci, M. le Président. M. le Président, nous, d'abord, nous souhaitons remercier le groupe UDSP et vous-même pour avoir accordé la présidence d'une commission au groupe rotatoire. Et c'est ce qui va expliquer maintenant notre vote, contrairement d'ailleurs à la commission permanente, qui est une commission particulière puisqu'elle est chargée de suppléer notre Assemblée hors session. Nous allons maintenant voter favorablement pour renvoyer, bien sûr, à l'UDSP son ouverture par rapport à la présidence d'une des commissions. Merci. Merci, Monsieur Jean-Christophe Buissou. Je pense que on sera apprécié. Monsieur Jacques Drolet. Donc le vote est acquis à l'unanimité, Monsieur le Président. Oui, il faut passer au vote. Qui est pour? À l'unanimité, Monsieur le Président. Donc à l'unanimité. Marlou. Nous allons faire la même chose pour les autres commissions. Deuxième commission des affaires civiles, du logement, de la famille, de la parité et de la protection sociale. Monsieur le Président, nous avons reçu les candidatures de Monsieur René Temeharu en tant que président, Madame Patricia Jennings Tetoni en tant que vice-président, secrétaire, Madame Amaron Nayateripaya, membre, Madame Monique Richton, Monsieur Ruben Teremate, Madame Béatrice Venodan, Madame Sandra Lévy Agami, Madame Sylvia Teruatia et Madame Alma Algon. Emma Algon, voilà, Monsieur le Président. Nous passons au vote à main levée. Qui est pour? À l'unanimité, Madou. Monsieur le Président. Troisième commission, la commission de la santé et de la médecine traditionnelle. Monsieur le Président, nous avons reçu les candidatures de Madame Pascale Haïti en tant que présidente, Madame Maryse Olivier en tant que vice-présidente, Madame Unotia Hirchon en tant que secrétaire, et les autres membres sont Madame Armel Mersuron, Monsieur Ismaël Touahou, Monsieur Achonchunyo Tonghi, Monsieur Teina Mareura, Madame Béatrice Vernoudan et Madame Emma Algon. Voilà, Monsieur le Président. Nous passons au vote à main levée. Qui est pour? À l'unanimité. À l'unanimité. Quatrième commission, la commission de l'emploi et de la fonction publique. Monsieur le Président, nous avons reçu les candidatures de Madame Tamara Bob Dupont en tant que présidente, Madame Patricia Jennings Tétonné en tant que vice-présidente, Monsieur René Temeharu en tant que secrétaire, et les autres membres sont Monsieur Michel Yip, Monsieur Thomas Moutam, Monsieur Fernand Roumataroua, Madame Rosine Brodien, Madame Joël Frébeau et Madame Daphné Chari. Nous passons au vote à main levée. Qui est pour? À l'unanimité. Cinquième commission, c'est ça? Cinquième commission de l'aménagement de l'espace naturel rural et urbain, de l'environnement, de l'urbanisme, de la qualité de la vie et de la gestion du domaine public. Monsieur le Président, nous avons reçu les candidatures de Monsieur Georges Anderson pour être président. Vice-présidente, Madame Patricia Jennings Tetonoui, secrétaire, Monsieur Thomas Moutam. Les autres membres sont Madame Annick Opa Afo, Madame Tarita Saint-Jour, Monsieur Achong Chongyu Tunghi, Monsieur Benoît Kautei, Monsieur Tekinoui Porlier et Madame Aïna Sage. Nous passons au vote. Qui est pour? À l'unanimité. À l'unanimité. Sixième commission, la commission de l'éducation et de la recherche. Monsieur le Président, nous avons reçu les candidatures de Madame Eliane Parker pour être présidente, vice-présidente, Madame Justine Teura, secrétaire, Madame Juliette Watama, membre, Monsieur Oscar Temaru, Madame Marise Olivier, Monsieur Jacques Vii, Monsieur Philippe Chiel, Monsieur Mita Teripaya et Monsieur Théari Alpha. Voilà, Monsieur le Président.
Nous passons au vote à main levée. Qui est pour? À l'unanimité. La septième commission, la commission de la communication du patrimoine culturel, de l'artisanat et de la jeunesse et des sports. Monsieur le Président, nous avons reçu les candidatures de Mme Ménari Galnon en tant que présidente, vice-présidente, Mme Théoura Hériti, secrétaire, Mme Juliana Mati, membre, Mme Tamara Bob-Dupont, M. Ruben Télématé, M. Benoît Cauteil, M. Clarence Fernandon, Mme Heifara Izal et Mme Joël Frébault. Voilà, M. le Président. Nous passons au vote à main levée. Qui est pour? Unanimité. Huitième commission. La commission des affaires économiques, du tourisme, de l'agriculture, de la mer et des transports. Monsieur, qui est pour? Je vais lire les candidatures. Monsieur le Président, nous avons reçu les candidatures de Madame Chantal Tariata en tant que présidente, de Madame Amaron Naya Teripaye en tant que vice-présidente, Madame Pascal Haïti en tant que secrétaire. Les autres membres sont Madame Monique Richton, Monsieur Victor Mamatoua Yahoutapou, Monsieur Foster Temauri, Monsieur Marcelin Lison, Madame Léonie Matawa et Madame Emma Maraya. Voilà, Monsieur le Président. Nous passons au vote à main levée. Qui est pour? À l'unanimité. Marourou. La neuvième commission des institutions et des relations internationales. Monsieur le Président, nous avons les candidatures de Madame Catherine Tuchobillard en tant que présidente, vice-présidente Madame Sabrina Bir, secrétaire Madame Inari Galnon. Les autres membres sont Madame Armelle Merceron, Monsieur Jacques Drolé, Monsieur Gaston Tongson, Monsieur Hiroiti Tefariri, Madame Sandra Lévi-Agani et Madame Béatrice Benoudon. Voilà, Monsieur le Président. Nous passons au vote à main levée. Qui est pour? À l'unanimité. Marourou. Nous passons maintenant au point suivant de notre ordre du jour. L'élection des représentants au sein de la commission chargée de la préparation du budget de l'Assemblée de la Polynésie française. Nous allons donc procéder à l'élection des membres de la commission chargée de la préparation du budget de l'Assemblée. Et conformément à l'article 66 du règlement intérieur de l'Assemblée de la Polynésie française, cette commission est composée du président de l'Assemblée, du président de la commission permanente, du président de la commission des finances, des trois questeurs ainsi que des cinq représentants élus à la représentation proportionnelle des groupes selon le système de la plus forte moyenne, après présentation de la liste établie par consensus entre les groupes politiques ou à défaut par l'Assemblée statuant directement. Suivant la règle de la représentation proportionnelle, sur les cinq sièges, deux reviennent au groupe Totato Aya, trois au groupe UDSP. Je suspends donc la séance pour permettre l'établissement de la liste des cinq représentants. La séance est suspendue. La séance est reprise. Je demande au secrétaire général de donner lecture de la liste établie. Monsieur le Président, nous avons reçu cinq candidatures, celle de Mme Tuchobillard Catherine, Mme Irshon Onutea, Mme Saint-Joutarita, M. Tefariri Hiroiti, M. Chil Philippe, donc pour participer à la commission chargée de la préparation du budget de l'Assemblée de la Polynésie française. Voilà, Monsieur le Président. Nous passons donc au vote de cette liste. Celui-ci se fait à main levée. Qui est pour? Unanimité, Monsieur le Président. Et nous poursuivons nos travaux. Monsieur Jacques Drolé, vous avez la parole. Prétiteni Marurua, Teanine Matou, Ya Vaihohia Tetumupra numéro 1, Notet Heitei Omhana Eatu, Hanere Toruhurue Mahitu Tomite Rapa Evenei Teemhana, Et Titahia Ya Feruri Maite Oet Motate Tomotur Titeni Motumite Norira Teania Tunematu Ya Oet. Et à Porarhe, et Fariane, et Harumetatu, et tout mon pro numéro 8. Je voudrais, Monsieur le Président, vous demander de reporter le point numéro 6, à savoir l'élection des représentants au sein des commissions et organismes extérieurs à l'Assemblée de Polynésie. Il y en a à l'heure actuelle 137, et cela mérite réflexion. Je vous propose de passer au point 7.
et de laisser le temps aux représentants à l'Assemblée de désigner leurs représentants. Ce délai sera suffisamment rapproché car beaucoup de conseils d'administration ont besoin de se réunir rapidement pour que les choses se mettent en place. Donc je vous propose au nom du groupe UDSP de laisser le point 6 et de prendre le point 7 concernant les rapporteurs de propositions et projets de loi de pays. Je vous remercie, Monsieur le Président. Hiro. Margu Britannic, Tatoubato, Parime Tapoter, Foter, Foyahei, Aïta Tefan, Ine, Tepubu, Totato, Aïa, Te, Nida, Naruto, Britannic, Tepubu, DSP, Otanovo, Notmati, Tohia, Tatoubato, Temaïdi, Temofe, Tatou, Idotoïte, Mopu, Te, Motomite, Ya, Opre, Maite, Hir, Temoti, Arato, et Tefar, Ine, Manto, Taranida, Teneira, Britannic, Hotato, et Ue, Mo. Tehin arong ewa wei tui te tei enira ai mui tatou vāro. Wei te tatou, tatou te momero te apurar hei, naroto i te papature roto. Te vene hu e whanhora api, no te mo tata o tatatou e hin aro e chebu e irawa e hupana tatou. Me te hon hon, mei te eke mo whanhora. Te whiwhira o te itehia e ruto nā mateiki e piti, no te teiha o te hopoia e amuhiara e te awhata, ini ahoara te tuhoa a te whare rata, a te whare hatuhara, a te CPS. Mei ti roa te moni e toera no ke taato ara no te tepu ai te mowhea papu. Ai tā nei tātou e nenhe e tuatapopa oi te e tumoprau fauwharo no tātou. Wite au e te mō mero teito watu e ume wou rātou tarawhiti. Tātou pātoa. Ai tāna e, e hā te uhupa e tupu, e hāre te mō mero tāpetei, e tāparu ia au e pareteni. Pareteni, nenhe ane o e rau e tara, tara rau e uhupa e ngei au e tuhoa. O o e te tarawhiti anan hei. No te teiha wai o te hopo ia. Te moni o fōhiara tātou te awhata turuta. Wurawe wo te tei whanhora, inia i te maurawa hupa o tau i tsebu noana. I tue hungatui o tau. E taura ke tauera. Weite ke tātora. I tue hinaro e tatau. Weite ke tātora o te maumero e unei ruto i te apurarai. Nā ruto i te mau raweato o te hamohia no te amamara e tiopo i a te apurarai. Wuhavita tui tatu. Wuhura tatu i te rafisa. E te e mahana, nārato te e opuara a hamauara hofa no te e mataiti piti tautini wau ti ore maitihi e au e aiti maitihi ti tohi a tatou, ti tohi a tatou e tuatapoma. No te apurara hei, te ani hei hane oi tatou. Ia whari tatou te e anira a tau. Maruru e pretin. Maruru Hiro, Sakindrole. Et pretitini. Te ieta tātou e whahupa nei te imhana, me roto mai e te mōwarata e atura i mai te hia e te whare aporara. E rea nei, tat whare aporara hei mai te, nen he te te whare aporara hei api e taui. Te wahei o tamato e man on oni, te ene imhana. O whaariro hia te mō mero aporara hei te imhana mi te te huru e ona. Rato te tiepui tō rato mō tātaro e hupa, no atua pai nā oe e tarimai te rira prau. O wharirohi ara rātou e ona. E nan e tō rātou te ara ona. E amo tō rātou i tā rātou tuhua, e roto i te whare turu uta. Trai e whahiti hi ara e hiro. Tenei, i ha tātou e hawhiwhia tō ai te whare turu uta. Te roto no tātou i te wira e, na te tia maiti ane e amo i te rira tuhua, are rā, na te tea tū awhata, awhata anei no te whare aporare hei, e amui te reira. E te aturi nei au e te perititeni, i ha tatu e huanana, e anir afofo aro te ie. Wharere tatu, tua tapapa tatu, whaoti tua i te teperau, ia nene e tua tui muaito o earo. Te ie nei teme, rawe tatu i te hupa, mei teo tate ture whahepo nei a tatu, e mei te peuhin aro tatu e taui, e rawe amui tatu i tau o hepara no te taui te, so te taui te tatu papature. Te amaruru nei o ia hiru, te anine o ia oe, arme tatu e ni oitnumora hitu.
Passons vote à main levée pour le retrait de ces points 6. À l'unanimité, Maruru. Donc nous passons au point 7, la désignation de rapporteur de propositions et projets de loi du pays. Monsieur Jean-Michel Carlson avait été désigné rapporteur du projet de loi du pays portant diverses mesures fiscales à l'importation. Du fait de la perte de sa qualité de représentant, il y a lieu de procéder à la désignation d'un autre rapporteur. Par ailleurs, nous avons reçu une proposition de loi du pays instaurant un régime fiscal privilégié au matériel concernant la production d'électricité par énergie renouvelable. Un projet de loi du pays relatif au chèque service aux particuliers, un CPS. Un projet de loi du pays relatif aux services charges portant modification de la délibération 95-1-AT du 17 janvier 1991, portant application des dispositions du chapitre 6 du titre 1 du livre 1 de la loi 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux salaires. Un projet de loi du pays portant modification de la réglementation de l'immersion des déchets codifié aux articles D.213-1 et suivant du Code de l'environnement. Un projet de loi du pays relatif à la certification, la conformité et la sécurité des produits et des services. Et donc, conformément aux dispositions de l'article 142 de la loi statutaire et du 27 du règlement intérieur, les rapporteurs doivent être désignés par l'Assemblée parmi les représentants. Y a-t-il des candidatures? Monsieur Jacques Hidroulé. Oui, Monsieur le Président. Teyet moi oa i ferurihia, note eamoi teyenei hopoia. Voici les noms des rapporteurs que nous proposons à l'Assemblée pour le projet de loi de pays portant diverses mesures fiscales à l'importation. À la place de Jean-Michel Carlson, nous proposons la candidature de M. Myron Matao. Pour la proposition de loi de pays instaurant un régime fiscal privilégié au matériel concernant la production d'électricité par énergie renouvelable, nous proposons Mme Thea Hirschon. Pour le projet de loi de pays relatif au chèque service aux particuliers, nous proposons la candidature de Mme Cathy Buillard.
pour le projet de loi de pays relatif aux services charges portant modification de la délibération 95-1 AT du 17 janvier 1991 portant application des dispositions du chapitre 6 du titre 1er du livre 1er de la loi 86-845 du 17 juillet 1986 et relative au salaire, nous proposons Madame Chantal Galnon. Pour le projet de loi de pays portant modification de la réglementation de l'immersion des déchets codifié aux articles D213.1 et suivants du Code de l'environnement, nous proposons la candidature de Monsieur Georges Anderson. Pour le projet de loi de pays relative à la certification, la conformité et la sécurité des produits et services, nous proposons la candidature de Madame Chantal Tahiata. Je vous remercie, Monsieur le Président. Nous passons au vote. Qui est pour? À l'unanimité, Maruru. Et donc, M. Myron Matawa est rapporteur du projet de loi du pays portant diverses mesures fiscales à l'importation. Mme Thea Hirschand est rapporteur de la proposition de loi du pays instaurant un régime fiscal privilégié au matériel concernant la production d'électricité par énergie renouvelable. Mme Cathy Bouillard est rapporteur du projet de loi du pays relatif aux chèques services aux particuliers, la CPS. Madame Galnon est rapporteure du projet de loi du pays relatif aux services charges portant modification de la délibération 95-1-AT du 17 janvier 1991 portant application des dispositions du chapitre 6 du titre 1er du livre 1 de la loi 86-845 du 17 juillet 1986 et relative au salaire. Monsieur Georges Anderson est rapporteur du projet de loi du pays portant modification de la réglementation de l'immersion des déchets codifiée aux articles D.213.1 et suivant du Code de l'environnement. Madame Chantal Tahiata est rapporteur du projet de loi du pays relatif à la certification, la conformité et la sécurité des produits et des services. Et nous passons au point 8 de l'ordre du jour. Examen de la correspondance. Je demande au secrétaire général de donner connaissance du relevé de la correspondance. Monsieur le Président, tous les représentants dans leur dossier de séance, le relevé de la correspondance reçu par l'Assemblée de la Polynésie française du 26 décembre 2007 et arrêté le 26 février 2008. Une photocopie de cette correspondance peut être demandée par tout représentant au secrétariat général. Voilà, Monsieur le Président. Nous passons au point 9, convocation de la prochaine séance. Monsieur Jacques Hidrolet. Monsieur le Président, avant de clore notre séance, nous proposons de laisser à votre diligence le soin de convoquer notre prochaine séance à l'Assemblée de Polynésie et nous souhaitons bien évidemment bonne chance à tous les candidats aux élections municipales. Bon, pour ce qui concerne la prochaine séance, je propose donc à l'Assemblée d'habiliter le président de l'APF à fixer lui-même la date et l'heure de la prochaine séance. Quel est l'avis de l'Assemblée? Passons au vote. Qui est pour? À l'unanimité. Voilà, mesdames et messieurs les représentants, je vous remercie tous d'être venus. Je vous souhaite de bonnes élections à tous. Adi ato tato fenua, faituito, farere atato de Monte Brunei. Voilà, et que les meilleurs gagnent sportivement. Et la séance est close.